On est au stade Marcel Picot et ici dans ce stade, il y a maintenant du team building. Le team building, ce sont des aventures collaboratives. Lorsque vous êtes en entreprise et lorsque vous voulez resserrer les liens entre les collaborateurs, eh bien la chose à faire, ça reste le team building. On est sur des épreuves où plus les collaborateurs vont pouvoir travailler ensemble, plus ils vont échanger, plus ils vont communiquer, plus ils vont réfléchir stratégique ensemble. Il faut savoir que le team building, c'est un exhausteur d'émotions. Voilà, ça permet vraiment de savoir à qui on a affaire et puis d'apprendre un petit peu plus à connaître les personnalités pour ensuite relancer la communication et la cohésion au sein de l'entreprise. Une réunion de rentrée avec les principaux cadres de l'entreprise et j'avais décidé de faire une formule un peu différente des autres. C'est-à-dire que le matin, c'était une réunion classique, présentation des chiffres, des ambitions. Et l'après-midi, on a travaillé avec la SNL sur des actions de team building parce que c'est, je pense, toujours important. On peut aller plus vite tout seul, mais pour aller loin, il faut être ensemble. Les gens se connaissent peut-être pas complètement parce qu'il y avait des gens qui sont de Besançon, d'autres de Longwy, d'autres de Mulhouse. Donc aujourd'hui, ça permettait aussi aux gens d'apprendre à se connaître, de rentrer un peu plus dans le détail. Il était important pour nous aussi d'être là où on a une équipe de haut niveau, au niveau sportif, puisqu'il y a toujours un parallèle entre le monde du sport et le monde économique, la recherche de la performance. C'était des défis sympas, inter-équipe, ce qui permet aussi avec un peu d'esprit de compétition. Donc non, je pense que l'objectif est atteint, les gens sont contents, on a vraiment passé un très agréable moment.